Hello. Hello, is that Evelyn? Hello. Hello, yes, Andrew Sterling here. Hi, Andrew. Hi. Are you the host or are you one of the participants? Hello, Danib Jonathan here too. Nice to have you here. Thanks for joining. We'll Thank you start. too. Hello, good afternoon. Hello. My name is Silvio from Angola. Thanks for joining, Silvio. Burkina Faso. Hi, good afternoon. All right, thanks everyone for joining. We'll wait for 30 more seconds and then we'll get started. Thank you so much for joining the call. And if you mute yourself, please, when you get on the call, please mute yourself so that we can hear each other. You can start introducing yourselves in the chat as we begin. Vous pouvez commencer à vous présenter les uns aux autres dans la boîte de conversation, le chat. Nous allons commencer dans 30 minutes. Permettez-moi de démarrer. Bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir dans ces conversations intercommunautaires. Je suis toujours très impatiente de vous entendre parce que nous écoutons le travail que vous accomplissez, vous, membres des communautés, sur le terrain. L'Internet a complètement transformé nos vies et cela pour le mieux. De la résilience a été apportée et son architecture a montré que c'est une architecture qui nous sert. C'est pourquoi l'outil d'analyse d'impact est très intéressant, celui de l'ISO. Nous voulons connaître ce qui fonctionne pour tous. Quelle est la fondation qui permet à tous d'en profiter? Vous, membres de la communauté, qui avez un rôle actif dans l'élaboration de cet outil d'évaluation d'impact, allez participer et écouter nos panélistes, les panélistes très intéressants que nous avons invités. Permettez-moi de vous rappeler quelques règles d'interaction. Si vous faites partie, si vous venez depuis longtemps dans ces interactions, vous connaissez certainement ces règles, mais si vous êtes nouveau, permettez-moi de vous en parler rapidement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de conversation, le chat. Merci d'être concis. Si vous pouvez aussi préciser votre nom et votre pays, cela peut aider. Je suis aussi heureuse de vous dire que nous avons aujourd'hui une traduction disponible. Nos interprètes sont là pour vous servir, pour interpréter pour vous, pour le français, l'espagnol. Vous pouvez choisir la langue qui vous sied et vous pouvez alors écouter à partir de ce choix. La conversation dans la langue que vous préférez. Vous pouvez bien sûr poser vos questions en français, en espagnol, dans la boîte de conversation. Permettez-moi de vous rappeler que le micro doit être inactif si vous n'intervenez pas, sauf si vous posez une question et que vous avez une intervention. Cette session sera enregistrée. Pour ceux qui n'ont pas pu nous joindre, se joindre à nous. Et un lien sera partagé pour l'avenir pour pouvoir le suivre à la suite. Donc, je vais parler maintenant de l'outil de discussion, de dialogue. Il faut aller sur slido.com et entrer le code que vous avez ici, le hashtag ICOM2020. Si vous allez sur le site web Slideco ICOM, que vous entrez le slash ICOM2020, vous pourrez à attaquer la suite. Est-ce que tout le monde s'est rendu sur le site? Vous pouvez alors voir les questions qui sont posées.
Ashley va partager avec nous le résultat de ce questionnaire auquel vous aurez tous répondu dans quelques minutes. Merci de participer, de renseigner ce questionnaire et vous pouvez déjà voir se dessiner le résultat. Oui, merci de continuer de renseigner cette page. Cela nous permettra de savoir la répartition des participants. Vous pouvez votre tablette ou votre téléphone continuer à utiliser Slido par la suite. Encore 30 secondes. Nous avons beaucoup de personnes nous venant des États-Unis d'Amérique. Les Pays-Bas, la Suisse sont aussi bien représentés. Merci d'être parmi nous. Je vais maintenant démarrer un autre questionnaire. J'espère que vous êtes prêts tous à utiliser cet outil Slido. We have another active poll running right now. Vous voyez ici un autre questionnaire qui est en cours de renseignement. Quand les résultats s'affichent en temps réel. Ashlyn, can we share the results of the second one? Ashlyn, pouvons-nous commencer à voir les résultats de la deuxième enquête, du deuxième questionnaire? Merci pour votre participation. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Kitty, qui va parcourir pour nous le programme. Merci beaucoup, j'apprécie. Puis-je partager mon écran ou est-ce que Ashlyn va nous les projeter? Projeter la présentation, merci. Merci d'être parmi nous, nous sommes heureux d'avoir votre présence et participation. Je vais parler de la manière d'Internet de travailler au réseau ou l'outil d'évaluation de l'impact d'Internet. Je m'appelle Cathy Arana, je suis de l'Internet Société et je chapeaute ce projet. Je pense que vous connaissez tous ce projet. Donc, maintenant, j'espère que grâce à la présentation, vous allez très bien le connaître. Qu'est-ce que nous appelons la manière de réseauter par Internet? C'est comment on se met en connexion ensemble via Internet et nous collaborons et travaillons. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment, dans les réseaux individuels que nous construisions, nous allons vers des réseaux sur lesquels nous nous reposons tous? Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui amène, que ça peut réussir? Qu'est-ce que l'opportunité cela offre? Par exemple, dans une pandémie comme telle que la COVID, nous avons besoin de ces réseaux. Donc, sans cette manière de se mettre en réseau grâce à Internet, cette manière d'Internet de réseauter, l'Internet ne peut atteindre son potentiel plein et entier. Vous le savez, l'ISOC a comme mission de s'assurer que l'Internet reste ouvert, qu'il est c'est connecté au niveau mondial, sécurisé et qu'il puisse être crédible. Pourquoi on peut avoir un tel Internet? Que faire aussi pour être des champions de l'Internet, c'est-à-dire de ce réseau, des réseaux? Nous devons comprendre la propriété sous-jacente qui en font quelque chose d'essentiel à sa fondation. Avoir donc une vision uniforme, une vision partagée des fondations de l'Internet, des principes sous-jacents de l'Internet, va nous permettre, en tant que salarié de l'ISOC, mais aussi en tant que communauté de l'Internet, d'analyser les changements d'Internet, c'est-à-dire en termes politiques, en termes technologiques, qu'est-ce qui a bien fonctionné, quels sont les impacts aussi, les répercussions négatives que peut avoir Internet. Donc, en utilisant cette manière de réseauter par l'Internet, nous pouvons analyser les propositions de réglementation, les propriétés technologiques émergentes, les évolutions à venir,
pouvons exprimer aussi et porter notre attention sur certaines choses qui nous préoccupent, nous pouvons donc évaluer quelles sont les répercussions de cela sur nos réseaux. Si nous ne pouvons le faire en tant que communauté mondiale qui plaide pour l'Internet, qui mène le plaidoyer, en comprenant les fondations techniques de l'Internet, on peut s'en servir comme un cadre stable. Parce que l'ISOC, l'Internet Society, le changement de l'Internet n'est pas toujours accompagné par des changements de ses propriétés fondamentales. Quelles sont les propriétés qui ne changent pas? Si on s'intéresse, par exemple, à ces propriétés qui sont au noyau, les politiques ou les technologies qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur l'Internet, nous avons besoin d'analyser de manière uniforme, de manière partagée, l'impact des évolutions. Est-ce que cela a un impact sur les 5 principes de l'Internet? C'est à cela que sert cet outil. Non seulement pour nous qui sommes parmi nous, qui sommes là, mais aussi les décideurs, les usagers de l'Internet, quels sont les impacts de ces évolutions sur les principes sous-jacents à l'Internet. Cela va nous aider grâce à plusieurs outils, j'espère que vous en connaissez certains, d'évoluer. On peut parler des outils d'introduction, des cas d'utilisation, mais aussi des outils graphiques, des questions posées fréquemment, qui sont inclus. Dans beaucoup de pays ici, vous voulez construire un complexe tel que un centre commercial, etc. Vous devez évaluer l'environnement. Quelle sera la répercussion de ce que vous construisez sur le milieu? Donc, les décideurs, les chargés de technologie doivent aussi évaluer l'impact que les actions qu'ils prennent sur la technologie d'Internet, l'environnement d'Internet, pour être redevables, pour ne pas endommager un aspect essentiel de l'Internet. Alors qu'il y a plusieurs morceaux de réglementation qui se mettent en place dans le monde entier et qui ne puissent avoir des conséquences intentionnel, non intentionnel. Donc, quelles sont ces propriétés essentielles d'Internet qui fait sa fondation, qui fait sa base? Sans doute, vous connaissez dans le processus d'élaboration de politique ces principes en consultant la communauté de ceux qui travaillent en tant qu'experts, mais aussi en tant que membres des sections d'élaboration de politique. Pensons qu'il y a 5 principes qui sont au cœur, au fondement de l'Internet. Ce n'est pas une liste, je pense qu'on peut le voir d'une façon différente. En disant 1.1, 2, 3, 1 étant plus important que 2 et 3, il faut penser à cela comme des usagers Internet qui sont assis autour d'une table avec 5 piliers. Et à chaque fois qu'un décideur ou un acteur de la technologie prend une mesure, prend une action, toute la table devient moins sûre, peut être compromise. Et cela peut avoir un impact partout géographiquement, l'Internet étant mondial. Donc, ce qu'un décideur politique prend comme mesure à un endroit donné peut avoir un impact à un autre endroit. Donc, nous avons, grâce à cet outil, une fondation intéressante pour ce travail. Mais ce n'est que le début. Nous devons encore continuer à travailler pour en faire un outil inclusif, meilleur. Il y a les cas d'utilisation qui identifient les tendances principales, les cas d'études qui s'intéressent à des cas spécifiques, mais aussi des documents additionnels qui identifie des lacunes et autres failles. J'espère que tout le monde pourra nous aider avec cet outil. On doit pouvoir, grâce à ses propriétés, construire des cas d'études pour évaluer les politiques et les technologies émergentes avec ceux qui les construisent.
quels sont les impacts? Les impacts peuvent être les nos membres, nos usagers qui peuvent nous aider aussi à évaluer cela et à renforcer ces fondations. Avec ces quelques mots, après ces quelques mots, permettez-moi de passer la parole à mon collègue Carl. Merci beaucoup, Katie. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Très intéressant de voir le nombre de participants à cette interaction. Avec Katie, je suis l'un des chargés de ce projet et je travaille à Genève en Suisse et je suis très intéressé par l'interaction qui nous est promise aujourd'hui. Le toolkit ou cet outil est déjà en place et ce projet est nouveau pourtant. Nous avons commencé que cette année, il y a quelques semaines seulement que cela a été démarré, mais nous sommes très heureux de voir que des membres de nos communautés commencent déjà à contribuer des informations sur cet outil dans la présentation d'aujourd'hui. Nous allons parcourir le monde entier, la Chine, le Brésil, les États-Unis, mais ce qui est important, c'est que c'est non seulement la diversité géographique de ce que nous allons voir, mais aussi les points de vue sur la boîte à outils et les cas d'utilisation de cette boîte à outils. Il y a un concept, l'Internet Way of Working, ou la façon de réseauter en Afrique, que nous pouvons utiliser pour des usages différents, plaidoyer, technologie ou autre. Avant de vous présenter le prochain intervenant, permettez-moi de dire un mot très concret. Sur un point très concret, chaque intervenant devra parler pour 10 minutes. Les questions pourront être ensuite posées à nos panélistes. Nous allons aussi collecter toutes les questions qui sont posées. Nous allons les mettre dans les questions et réponses plus tard, si vous ne recevez pas une réponse tout de suite. Permettez-moi maintenant de présenter notre premier exposant. C'est un membre de l'Internet Society, l'organisation, l'institution Fushi. J'essaie d'améliorer ma prononciation du nom de cette institution. Et ils vont nous présenter comment on peut analyser le changement. Nous avons Oelu, qui est le secrétaire académique de cette institution, ainsi que le secrétaire adjoint du forum Dacha, qui est engagé dans les discussions sur Internet depuis plusieurs années. Nous avons aussi Dr. Wei Ban, qui est le directeur technique de cette institution, qui est le secrétaire général aussi du comité de la transformation vidéo qui est basé en Chine, qui travaille aussi avec l'Académie des sciences de Chine en tant que professeur invité. Permettez-moi maintenant de donner la parole à notre premier exposant. Oli, c'est à vous. Hello everyone. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de nous joindre à la communauté de l'ISOC, même si nous sommes nouveaux, puisque c'est en mai seulement que nous avons adhéré. Nous voudrions vous présenter qui nous sommes. Nous avons rejoint ISOC en mai, donc nous sommes un nouveau membre de la communauté. Mais nous avons une connexion avec le projet I1. Fuji a été établi par plusieurs pionniers de l'Internet, y compris Vincent. Aujourd'hui, l'Internet est beaucoup plus complexe que dans ces années-là. Ce sont des années de transformation. Les technologies, les structures sociales de l'industrie, tout cela est en évolution. Cela veut dire que l'évolution ne nous amène pas toujours vers un monde meilleur. Il y a des défis. Nous avons besoin d'évoluer, bien sûr, de nous développer, mais nous devons respecter certains principes. Nous devons toujours nous rappeler des valeurs essentielles. C'est pourquoi
nous parlons de cette de l'internet way of networking ou la manière de l'internet de mettre le réseauté. Nous voulons, en tant que fondation, éliminer la fracture numérique en promouvant la connectivité. C'est ce qui explique notre motivation de nous engager activement dans ce programme. Qu'est-ce que c'est que pour nous la façon de réseauter de l'Internet? Nous devons identifier d'abord les propriétés essentielles d'Internet. Pour nous, il y en a 5. Qui est un chiffre raisonnable. En Chine, on dit qu'un chiffre élémentaire que T5 donne la stabilité à une structure applicable à l'Internet. Donc, quand nous utilisons l'Internet, nous créons, mais aussi nous autonomisons les utilisateurs. Donc, comment les 5 propriétés fonctionnent-ils comme un ensemble? Quand nous nous intéressons à une propriété spécifique, il y a des actions derrière, telles que des protocoles pour l'accessibilité, ça c'est pour l'usager, des architectures ouvertes qui permettent l'interopérabilité pour les ingénieurs, des systèmes de routine distribués, c'est la décentralisation et la gestion décentralisée. Ce sont pour les... pourvoyeurs de voix, la neutralité, non seulement pour le public, mais aussi par rapport aux décideurs politiques. Nous devons donc faire en sorte que ces propriétés se reflètent dans les situations réelles. Il est important aussi d'avoir en tête le tableau général de l'Internet. Qu'est-ce que c'était que l'Internet avant que ce soit l'Internet? Par exemple, sur la gouvernance de l'Internet, nous devons avoir des propriétés clairement identifiées pour que tout le monde prenne conscience de ce que nous devons éviter dans la prise de décision, dans l'élaboration des politiques, dans l'élaboration des nouvelles technologies, des règles et réglementations qui doivent être respectées. Je pense que l'équipe IWAN a solidement identifié certaines propriétés, en tout cas a bien avancé sur ces aspects. Nous avons besoin aussi d'outils de sensibilisation pour le public, pour qu'ils apprécient effectivement les enjeux relatifs à ces aspects des propriétés essentielles. Donc, nous appelons ça les engagements PTP. Pour avoir du poids par rapport aux décideurs, nous devons être en mesure aussi d'expliquer quels sont les avantages de ces propriétés, mais aussi à expliquer quelles sont les conséquences si ces propriétés ne sont pas respectées. Il faut que les décideurs politiques puissent comprendre les répercussions sérieuses qu'il y aurait à un manquement. Donc, il faudrait avoir une explication rationnelle grâce à cet outil d'analyse. D'ailleurs, il faudrait aussi accompagner cela d'un récit dès le début, c'est-à-dire parler de l'historique de la conception de l'Internet. Les cas d'utilisation doivent être aussi plus spécifiques, plus détaillés, accompagnés de chiffres et de faits, et cela illustrera mieux notre argumentation. Nous avons fait quelques efforts pour la promotion de cet outil dans la communauté chinoise et nous l'avons accompagné par le lancement de notre site web et d'autres médias publics en août de cet août, lorsque ISEC a publié une déclaration sur les réseaux clés. Étant donné que je sais d'où vient cette déclaration, sa valeur, d'où cela vient, je l'ai traduite tout de suite en chinois avec un commentaire. Et nous avons pu avoir une publication dans plusieurs journaux, plusieurs médias. Plus de 200 000 personnes ont pu voir cette phrase. Donc, mon travail, c'est d'utiliser le langage IWAN de manière ferme, de pouvoir aussi
à ce que ce soit clair pour expliquer la fondation de l'Internet. Il y a aussi certaines opportunités qui se sont présentées. Merci de passer à la suite. Il y a des opportunités pour des applications futures et des dialogues à venir. Mes collègues travaillent aujourd'hui à mettre en place un séminaire sur les propriétés essentielles qui se tiendront, je pense, le 18 novembre 2020. J'espère que l'équipe IWAN sera parmi nous et que des experts pourront illustrer, nous montrer l'utilisation de cette boîte à outils, comment ce toolkit, cette boîte à outils s'applique à certaines technologies, dans certaines cultures, dans des points de vue relatifs à l'éducation, par exemple, pour mettre en place des cours et des formations, mettre en place des applications interactives pour les usagers, pour le public. Des idées aussi peuvent être soumises sur plus de cas d'utilisation. Merci beaucoup. Il me semble qu'il me reste que 2-3 minutes, donc permettez-moi de dire très rapidement sur la diapositive suivante quelques mots sur les architectures qui sont de réseaux systématiquement réglementés en Chine. En Chine, il y a une certaine spécificité par rapport à l'architecture de la Chine. Devons connaître la nature de ce modèle de gouvernance. En 1994, lorsque la Chine s'est connectée au NSFNet, parmi les quelques pays qui s'étaient appelés 77 pays, très rapidement, les trois grands fournisseurs d'accès se sont apparus avec des possibilités d'interconnexion internationale. Mais il y a aussi des petits fournisseurs d'accès, bien sûr, même des fournisseurs d'accès de niveau local. Les trois, cependant, ont la possibilité de se connecter à l'international, de faire du forward BTP avec leur pair à l'international. Donc, même si cette architecture est un peu différente par rapport à d'autres pays du monde, le développement de l'Internet se fait à grande allure, c'est fait pendant les 20 dernières années. Vous pouvez voir la pénétration et le nombre d'usagers est très élevé. En termes de pénétration Internet, mais aussi en termes absolus. Donc, il est difficile de dire que les règles de gouvernance ont entravé le développement de l'Internet chinois. L'économie et l'Internet aussi se développent, je dirais, de la même manière. Mais quand on parle de censure, quand on parle aussi de la souveraineté, il me semble pas simplement que ce soit idéologique, c'est aussi culturel. Pendant les 2000 dernières années, la Chine a été un empire centralisé, même à l'époque de la Renaissance, lorsque l'Europe explorait le monde. Les dynasties chinoises, la dynastie Xi et la dynastie Tang, ont mis en place des politiques de fermeture maritime très strictes. La participation dans l'import-export a été même interdite. Sauf les marchands dits royaux qui pouvaient communiquer et échanger avec le reste du monde. Je dirais donc que c'est culturel, que c'est historique. Donc, il est très compliqué de persuader les décideurs politiques, mais même les usagers
que les cinq principes dont nous parlons sont essentiels. Donc, il faut continuer à communiquer avec la communauté locale. C'est d'ailleurs dommage parce que beaucoup des acteurs communautaires en Chine sont restés de côté par rapport à ISOC. Et nous sommes d'ailleurs très heureux d'avoir été acceptés, nous, Institution Fuji. Et nous allons essayer de faire notre mieux pour continuer à améliorer notre communication avec le reste du monde. Donc, nous avons dans le rapport des publications sur le nouveau IP et sur des autres points, et je pense qu'il y aura aussi d'autres cas d'études sur le RPKI. Il y a peut-être une certaine résistance pour le RPKI parce que cela amène d'autres points d'accès que le DNS. Cela pose des questions. Le GeoNeoGi, beaucoup de villes ont soumis leur candidature pour cette nouvelle manière d'avoir les noms de domaine. La Chine veut aussi importer la technologie DOI dans son industrie de l'Internet. Un intérêt s'est manifesté pour une nouvelle identification en utilisant le DOI plutôt que les noms de domaine. Et s'il y a des institutions qui sont volontaires pour communiquer avec Huawei, ils peuvent interagir avec l'étude et générer ce genre de cas d'étude, cas d'utilisation locale. C'est le dernier. Le dernier, c'est sur le tuber. Je pense que ce serait une étude très intéressante. Une compagnie de cybersécurité a publié cela. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Tuber, qui nous donne la possibilité d'avoir accès à Twitter, Google, sans utiliser le VPN, mais de manière directe, sans un firewall. Mais après juste une journée, cela a disparu. Mais je pense que ces types d'applications vont devenir des outils communs pour les Chinois et également d'autres personnes dans d'autres pays. C'est une étude de cas très intéressante parce que ces types d'applications ne violent aucun de ces cinq principes. Mais c'est juste une application. Et je me demandais comment on peut tirer parti ou évaluer ces types d'applications. Ce n'est juste qu'une application. Et l'opération ne viole aucun de ces cinq principes. Donc, je pense que ce sera la nouvelle tendance. Et cette étude de cas devra être étudiée davantage. Merci. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Merci beaucoup, Wei and Oli. Un exposé très intéressant. Nous avons beaucoup de questions pour le partage de cet exposé. Il y a également le contexte culturel qui nous permet de comprendre l'aspect ou la situation au Chinois. Il y a également la question historique, telle que les dynasties qui ont existé en Chine, qui ont eu un impact. La question standard, c'est l'amélioration sur la boîte à outils. Et Oli et Wenwei, vous avez bien présenté. Et je pense que vous serez source d'inspiration pour d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez clarifier ou bien nous dire d'autres questions ou bien d'autres points qui peuvent améliorer la boîte à outils? Je pourrais commencer. J'ai préparé
un commentaire, je pense. IWAN travaille sur l'Internet idéal et l'Internet comme moyen de mise en réseau, c'est l'Internet idéal que l'on peut utiliser pour promouvoir l'innovation et la créativité. Il est important également de créer un pont entre l'Internet idéal et la réalité au niveau social. Nous ne devons pas éviter de discuter sur la réalité sur le terrain. Il faudra essayer de créer un pont qui pourra nous aider dans nos études de cas, particulièrement les études de cas. Si nous sommes capables d'analyser l'aspect technique et social de l'Internet, ce serait encore très important. Il y a également l'aspect technique qui doit être également évalué, analysé, qui pourront être mises en œuvre sur le terrain. Cela a été mentionné dans l'exposé de Wei. Il a mentionné, par exemple, l'application Tuber. Il serait donc intéressant d'étudier pourquoi cette application n'a pas duré longtemps. Et peut-être Tuber peut être le pont que je viens de mentionner tout à l'heure, le pont entre la réalité et l'Internet comme moyen de mise en œuvre. Avant que je ne joigne l'institution Fuji, j'ai travaillé pour Google pour 2 ans. J'ai travaillé sur le Google Cloud. Donc, j'ai discuté avec beaucoup de Googlers, beaucoup de personnes qui travaillent aussi bien dans le réseau chinois que dans le réseau au niveau mondial. Nous avons beaucoup discuté. Nous avons parlé de politique, de technologie et également des questions culturelles. Je pense que Tuber pourrait être et peut-être le futur et la nouvelle tendance. L'Internet nous avons Internet partout, même dans notre téléphone portable. Il y a des personnes peut-être qui ne sont pas conscients de l'existence de l'infrastructure de l'Internet. Ce qu'ils voient, eux, c'est les applications sur les tablettes, sur les machines virtuelles, sur le téléphone portable. Mais si les applications ne donnent pas l'accès à Facebook ou Google, les gens peuvent ne pas être conscients de l'existence de l'infrastructure. C'est ce que nous voyons auprès de la nouvelle génération en Chine. Si Tuber, par exemple, est approuvé par le gouvernement et donne accès à Facebook et Google, cela veut dire que d'un côté, c'est très utile parce que cela aide les personnes au niveau local de s'ouvrir au monde. Mais il y a la question de la censure également qu'il faudra prendre en considération. Donc, quelle sera l'évaluation de cette application? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Ça donne de la valeur, mais en même temps, cela encourage le gouvernement à censurer cette application et cela va amener l'application dans l'illégalité. Mais peut-être dans d'autres pays, d'après la perspective d'autres communautés, ce n'est peut-être pas une très bonne application. Mais je n'ai pas une réponse pour cette question. Mais je pense que c'est une étude de cas très importante pour la communauté Internet. Merci beaucoup, Wei. Merci tous les deux pour votre exposé. C'était des exposés très, très intéressants. Since we're on the topic of suggested improvements, I was en ce qui concerne l'amélioration, je pourrais peut-être ajouter quelque chose, parler pour 1 ou 2 minutes. Est-ce que ça vous va ou on pourrait intervenir après?
Je préfère qu'on écoute les exposés d'abord. Après, on aura l'occasion pour les questions et les réponses. Et veuillez noter votre question en utilisant le chat si cela vous convient. Nous avons un sondage sur Slido. Vous pouvez toujours consulter slido.com. Nous allons maintenant donner la parole à l'exposant de 2. Nous avons un exposé du Brésil, du Wagner, qui est le président de ce bureau. Flavio est un prof de l'ingénierie et de la science informatique en Porto Alegre. Il sera également joué ici avec le professeur Alejandro. Ils vont nous faire un exposé sur le travail du bureau au Brésil et également le type de collaboration qu'ils ont au niveau local. Donc, je vous donne la parole, l'équipe du Brésil. Merci beaucoup pour nous avoir invités et nous permettre de contribuer à cet événement. L'idée ici, c'est de faire rapport sur 2 initiatives. Le bureau de l'Internet Society au Brésil, en ce qui concerne la boîte à outils de l'évaluation d'impact de l'Internet. So, the first initiative, the chapter head, it's because of the... La première initiative de notre bureau. Cette boîte à outils est très pertinente et nous avons décidé de contribuer au niveau de notre bureau en ce qui concerne l'élaboration de la politique en consultation avec l'Internet Society en ce qui concerne la boîte à outils. Comme vous le savez, la langue officielle au Brésil, c'est le portugais. Nous avions traduit tous les documents pertinents, l'introduction de la boîte à outils en portugais, afin que l'on puisse distribuer, disséminer à toutes les parties prenantes et à la communauté. Et nous avons organisé un webinaire sur la boîte à outils IWN. Le webinaire était ouvert à tous les membres, bien sûr, et nous avons invité les panélistes avec des antécédents différents. Et nous avons discuté sur la boîte à outils. Nous avons également eu des consultations avec des membres experts. Nous avons discuté l'aspect technique sur les propriétés très importantes. Et nous avons préparé le projet avec la contribution du PDP. Et nous avons également consulté avec des membres sélectionnés pour l'examen du projet avec les experts qui ont été présents durant le webinaire. Nous avions été capables donc de contribuer à cela et nous avons discuté des propriétés critiques et également la structure de la boîte à outils et également la contribution, comment le PDP a été développé, élaboré. Nous avons réussi à préparer une contribution concrète. Et je voudrais demander à tous les autres chapitres de discuter avec leurs membres dans le suivi de cette boîte à outils. Nous avons maintenant un document consolidé. Nous avons les études de cas et c'est ouvert à la communauté afin qu'elle puisse proposer des nouvelles études. Études de cas et les chapitres où les bureaux locaux sont très importants dans cette aventure. Le bureau local dans tous les pays devrait essayer de travailler avec les membres afin de préparer un document de manière concertée. La deuxième initiative, c'était de fournir un cours en ligne sur l'Internet comme moyen de mise en œuvre et l'aspect technique, politique et réglementaire. Adaptation du contexte à la réalité brésilienne. Et nous avons développé un partenariat avec la Fondation Getúlio Vargas, une institution académique très importante au Brésil. Ensemble, nous avons proposé 32 heures de cours gratuits en ligne
basé sur la méthode de mise en réseau sur Internet, sur les propriétés critiques, sur les cas d'utilisation. Et nous avons également discuté sur le contexte brésilien. Cela est fait en partenariat avec la Fondation Getúlio Vargas et AESOC. En ce qui concerne le financement, petite subvention de la Fondation AESOC, selon le contexte de don et également un appui en nature de la part de la Fondation Getúlio Vargas. Nous avons des professeurs, appui administratif et technique qui nous ont appuyés. Le public cible. Nous avions les étudiants diplômés de la faculté de droit et également les membres de l'AESOC et la communauté au sens large. Donc, ce cours a commencé il y a 2 semaines. Ce soir, par exemple, nous aurons notre 3e réunion avec les étudiants et la communauté qui participe dans ce cours. Je vais maintenant donner la parole au professeur Alejandro du FGV, de la Fondation Vargas, qui est responsable dans l'élaboration de ce cours. Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup, Flavio. Let me introduce myself. I'm Alexandre Pacheco da Silva and I'm Da Silva et je suis professeur de droit. And I coordinate alongside je coordonne avec le professeur Marina le centre d'éducation et de recherche sur l'innovation à São Paulo, qui travaille sur des projets qui promeuvent comment les processus d'innovation de la technologie ont un impact sur la société. Quelle serait une réponse adéquate du système judiciaire que l'on peut mettre en place pour identifier le problème selon le contexte brésilien? C'est pour cela que ce cours est stratégique et très important pour notre université et le centre de recherche que professeur Marina et moi-même coordonnons. En ce qui concerne les sujets ou le contenu du cours, nous avons la responsabilité de réaliser la vision de notre centre. Nous avons développé des projets selon différents contextes, par exemple des projets sur la responsabilité de l'intermédiaire, le cryptage, la désinformation et les discours de haine et ainsi de suite. Et lorsque nous réfléchissons sur ce projet, comment on peut traduire les choses que l'on discute au niveau universitaire en des aspects concrets au niveau de la base afin que tout le monde puisse participer et contribuer. Ce cours spécifique va nous aider à traduire les débats que nous avons présentés dans notre rapport en une discussion ouverte dans les cours, en utilisant par exemple les études de cas que ce projet fournit pour au moins discuter des points saillants et également d'aborder les différents aspects. Et nous avons beaucoup appris des étudiants dans les premiers cours. Diapo suivant. Merci. Pour la première fois, au sein de notre institution, nous avons fourni un cours qui n'est pas fourni par des avocats et des universitaires. Nous avons eu des cours ouverts. Nous n'avons pas eu l'occasion pour fournir un cours sur beaucoup de domaines tels que escompté. Nous avons, dans notre cours, nous avons eu beaucoup d'experts, d'expertise des formateurs. Nous avons eu également l'occasion de réfléchir sur comment on pourra travailler sur l'innovation
et sur l'aspect des cours en ligne, parce que nous avions un certain nombre de lignes en cours, mais après COVID-19, nous avions réfléchi davantage sur comment on pourra innover en ce qui concerne les cours en ligne. Et nous avions décidé sur une stratégie adéquate d'avoir des interviews préenregistrées, des experts, et de notre opinion, cela a marché. Et cela était une préparation obligatoire et nous avions eu des débats ouverts durant les cours. Diapo suivant. Merci. En ce qui concerne les étudiants, la cour en ligne nous a permis de diversifier le profil des candidats. Souvent, nous avons un groupe large de l'école d'affaires, par exemple, et également quelques fonctionnaires et qui se trouvent à São Paulo, par exemple. Et ces cours en ligne nous a permis d'étendre et de couvrir d'autres États et d'avoir des participants avec différents aspects. Par exemple, nous avons eu l'occasion d'inclure les journalistes, les députés. Oui, de suite, nous avions 179 candidats. Nous avons sélectionné 36 de différents États selon la répartition géographique, secteur d'activité, sexe et âge. Le cours n'est pas seulement sur la gouvernance de l'Internet, mais nous avons également sélectionné les étudiants dans d'autres domaines d'études. Ces 36 étudiants représentent la nouvelle génération d'avocats et la relation entre les avocats et la technologie. Et ils auront la capacité de connaître les aspects technologiques et les points saillants en ce qui concerne la technologie. En guise de conclusion, c'est un projet très important. Tout le monde a contribué dans ce projet, particulièrement pour le Centre d'éducation, de recherche et d'innovation et de l'innovation et l'École de droit de São Paulo. Il est très important parce que cela nous a permis de connaître quel type de cours nous sommes capables de fournir, pas seulement à nos étudiants, mais à d'autres communautés également. Cela nous a permis également d'étendre la contribution des parties prenantes, d'organiser des débats publics en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet et comment on peut expliquer, débattre les 5 propriétés très importantes de l'Internet. C'est également stratégique pour nous parce que cela renforce notre position en tant que centre de recherche au Brésil et ce partenariat est essentiel, critique, parce qu'il nous permet d'avoir les moyens et d'étendre le nombre de parties prenantes. Pour finir, je pense que professeur Flavio Wagner a beaucoup participé là-dessus. Et merci beaucoup pour la diapo suivante. Diego Canabao et Paula ont beaucoup participé dans ce projet. Je vous remercie pour votre participation et contribution, mais je voudrais également remercier Camilio, le directeur de projet, parce que nous avons réussi ensemble avec des personnes dans différents backgrounds et nous avons essayé de créer une discussion multidisciplinaire sur ce domaine. Et c'est pour cela je voudrais également remercier Internet Society parce qu'il nous a donné l'occasion de discuter avec l'École de droit de São Paulo. Je voudrais remercier l'institution et toutes les personnes qui ont participé et j'espère que nous avons une discussion fructueuse.
en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexander. Exposé très intéressante et encourageante. Nous sommes un peu dépassés par le temps. Ces exposés devraient être présentés dans une session particulière. C'est pour cela que nous avons donné suffisamment de temps. Je voudrais maintenant avancer dans l'ordre du jour et permettre l'autre, l'exposant suivant. Donc, j'espère que l'on pourra, que vous serez toujours présent après les exposés pour la session questions-réponses. Je vais donner la parole à Destin maintenant, qui est le directeur du chapitre ISOC à Washington, D.C., et sur comment ils utilisent la boîte à outils. Merci, Carl. J'avais prévu une intervention d'une heure, mais je vais essayer de le concentrer sur 3 minutes. J'espère que nous pourrons interagir ensuite par des questions et réponses. Vous voyez ici une déclaration que nous avons élaborée. Je vais y revenir. Et permettez-moi d'abord de saluer le travail accompli par Internet Society en mettant en place ce projet sur l'Internet Way of Networking ou la manière de réseauter par Internet, qui sont vraiment au cœur de l'Internet, les propriétés essentielles de l'Internet, qui sont quelque part la constitution sur laquelle l'Internet a été fondé. Nous sommes contre le fait de casser l'Internet, que ça reste entier. Donc, cela nous permet de savoir de quoi nous parlons de manière tangible. Vous connaissez ce que le président Trump a élaboré comme politique qui peut aller vers des interdictions de certaines de certains acteurs de l'Internet qui posent un défi. Et vous pouvez voir dans le dernier paragraphe où nous attirons l'attention des populations vers l'outil d'évaluation d'impact Internet ISOC pour évaluer l'impact que peuvent avoir les propositions de politique sur l'infrastructure et l'esprit de l'Internet. Nous n'allons pas beaucoup plus en détail là-dessus, mais nous avons produit des études, des cas d'études qui mettent en lumière l'esprit dans lequel nous les avons élaborés. Cette boîte à outils nous permet de réfléchir comment nous pouvons regrouper les travaux accomplis de manière synthétique, de manière à les communiquer aux décideurs. Les 5 questions donc, sont effectivement très pertinentes, mais comment faire en sorte, à partir de ces questions, de produire des cas d'études en les regroupant dans le même classeur, dans le même paquet, pour illustrer le propos. Il faudra qu'on soit plus efficace que nous puissions illustrer ce propos. C'est de plus en plus le cas dans le monde que les gouvernants aujourd'hui prennent des mesures qui peuvent compromettre les propriétés essentielles de la fondation de l'Internet. C'est tout spécialement le cas lorsque les élections se rapprochent. Selon, bien sûr, la personne qui est au pouvoir, nous devons chercher à éclairer sur les conséquences des décisions qui sont prises sur l'infrastructure de l'Internet, tout particulièrement sur les questions qui sont parfois non intentionnelles, parfois des conséquences qui ne sont pas forcément non intentionnelles. C'est là-dessus aussi que nous devons travailler pour que, grâce à cet outil,
les acteurs et d'autres puissent comprendre l'impact de ces mesures et que chacun puisse réfléchir sur les répercussions de ces actions. Je n'ai pas beaucoup de temps pour aller plus loin, mais entre la réalité idéale et la réalité sociale, comment jeter un pont? Je me suis demandé si la manière dont la boîte outils est formulée permet-elle seulement de montrer que cela endommage les fondations d'Internet, mais pouvons-nous aussi illustrer ce qui renforce les fondations? Comment on peut, en tant que champion d'Internet, aussi utiliser ces informations dans nos travaux de manière positive pour vraiment mettre en lumière les valeurs que nous portons dans nos travaux en tant que membre ou section de l'Internet Society, mais aussi en tant que membre de la communauté d'Internet au sens large. Je serai présent pour la session questions-réponses. On pourra plus interagir par la suite. Comme je l'ai dit avant la présentation de Justine, nous allons avoir un peu de retard, donc si vous pouvez rester un petit peu pour les questions-réponses et que nous nous penchions sur certains aspects à discuter. Donc, pour revenir à la présentation de Flavio, y a-t-il des améliorations que vous pouvez suggérer pour la boîte à outils? Donc, on peut commencer par cela, par des suggestions d'amélioration de la boîte à outils. Une fois que nos deux présentateurs auront partagé quelques idées, d'autres pourront aussi prendre la parole dans ce sens. Merci, Carl. Nous avons bien sûr une contribution que nous avons soumise au PDP, mais juste pour illustrer un ou deux points de cette contribution. Premièrement, c'est sur les propriétés essentielles elles-mêmes. Je pense que nous sommes tous heureux de ces cinq propriétés essentielles que nous avons. Mais ce que nous voulons suggérer, c'est que peut-être l'une des caractéristiques de l'Internet n'est pas forcément reflétée par les cinq propriétés, c'est le fait que l'Internet met en place une communication de bout en bout, que l'intelligence est sur les sur les bords de cette communication. Il y a des propriétés qui peuvent en être la conséquence. Peut-être que cela peut être exprimé mieux par plusieurs propriétés ensemble ou par une ou deux ensemble. Il faudrait y réfléchir. Pour la boîte à outils elle-même, pour les usagers, pour les décideurs politiques qui ne sont pas forcément des acteurs de la technologie, ils ne sont pas toujours conscients relatifs à l'architecture. Ils ne pensent pas à ces questions d'architecture. Ils pensent surtout à l'impact sur la résilience, sur la vie privée, sur la collaboration, sur d'autres propriétés qui sont bien perçues par les usagers et qui ensuite encouragent les décideurs à prendre des mesures en ce sens. Donc, l'analyse de l'impact sur les cinq propriétés, mais aussi par d'autres propriétés qui sont perçues par les utilisateurs comme importantes, peut être important comme fonctionnalité supplémentaire, et nous devrions documenter peut-être ce souhait. Je vous remercie, c'est une contribution que nous avons faite. Effectivement, le principe de bout en bout qui n'est pas forcément exprimé par la boîte à outils de façon explicite. C'est implicite, effectivement, mais c'est un bon commentaire, c'est une bonne observation, parce que c'est un concept qui est reconnu par les usagers
l'intelligence étant au bout de la chaîne. Oli et Dustin l'ont dit. D'autres propriétés qui sont importantes pour l'Internet aussi peuvent avoir à subir des conséquences telles que l'aspect crédibilité, l'aspect confiance. Alors, Dustin, pour aller plus loin sur cette discussion, comment on pourrait appréhender ces propriétés supplémentaires, ces liens sociaux dont nous avons parlé? Ensuite, nous avons aussi quelques questions qui nous viennent du chat. Nous essaierons de vous les présenter au fur et à mesure. Oui, j'aimerais, je serais heureux de réfléchir là-dessus avec vous. Pendant nos interactions, d'ailleurs, j'ai un peu évolué sur ces questions. On peut continuer à réfléchir dessus pendant la discussion. Ce pont dont nous avons parlé, qui est à créer, c'est-à-dire du point de vue d'une section ISOC, de chapitre ISOC, être un pont entre l'organisation de ISOC du même vers la réalité sociale et idéale de l'Internet dont nous avons parlé plus tôt. Je le dis parce qu'en tant que section, nous nous concentrons souvent sur les questions locales qui ont leur pertinence au niveau local, qui parfois sont conformes au projet de l'ISOC, parfois non. Par exemple, le travail est fait fantastique. Il y a des membres pour nos membres, bien sûr, qui peuvent contribuer en matière de sécurité. Mais cette manière de l'Internet de réseauter, c'est une bonne chose aussi, une bonne façon de faire le lien entre ce qui nous intéresse, les questions de contenu, les questions économiques, les questions de modération, et de réfléchir sur l'importance du travail que nous faisons eu égard à ces principes fondamentaux. Pourquoi l'Internet a une place dans la société et qui nous permettra aussi d'impliquer ceux qui ne comprennent pas toujours le travail de l'ISOC, pourquoi ces questions sont d'importance pour eux aussi. Les chapitres peuvent donc servir de tuyaux, je dirais, de voies de communication pour créer ce pont entre l'expertise locale sur ces aspects et ces principes même. Si nous fermons les yeux sur les conséquences les travaux accomplis sur les principes fondamentaux, cela sera dommageable pour tous parce que ceux qui travaillent sur les infrastructures ou ceux qui ne travaillent pas, s'il y a un impact sur l'infrastructure, ça aura un impact sur tout le monde. Il y a bien sûr des forces qui cherchent simplement à réglementer l'Internet, qui portent leur attention sur ces questions. Non seulement cela aura des conséquences non intentionnelles, mais aussi des conséquences visées. Et donc, il faut chercher à montrer comment nos travaux pourraient renforcer les fondations de l'Internet et comment cela peut être un pont pour aller vers ces principes. Et j'aimerais aussi entendre les interventions d'autres. Merci, Dustin, pour ces réflexions. Je pense que je comprends ce que vous voulez dire et que nous comprenons aussi. Je pense que cet outil peut être un point de départ. Un point de départ qui, avec un langage technique, en venant de la question de l'architecture,
avec un langage de l'ingénierie. Peut nous permettre, malgré les conflits que nous pouvons avoir, la langue technique, ce langage technique que nous parlons peut lui-même être un pont. Quand la boîte à outils sera mise à disposition à la communauté, des gens qui ont... qui viennent d'un contexte différent social et d'un métier différent, pourront l'utiliser, pourront le partager. Et il y a peut-être des voies et moyens d'encourager ce partage pour illustrer peut-être des phénomènes et des tendances actuelles. Et ce partage peut être en créant un tableau de bord, en partageant les expériences en tant qu'organisation. Je pense que cela permettra aux communautés d'avoir à disposition des cas d'utilisation et d'en créer de nouveaux. Merci beaucoup, Eliane et Justin. Donc, sur les cas d'utilisation, si possible aussi des cas positifs qui fonctionnent en faveur des propriétés essentielles. Donc, les identifier, aller dans ce sens, non pas simplement se concentrer sur les aspects négatifs, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers le positif. Et il est encourageant de voir qu'il y a quelques idées qui ont été soumises sur l'utilisation des cas d'utilisation eux-mêmes et avoir aussi un objectif de générer du contenu pour des contenus qui peuvent nous venir des analyses venant de cet outil. Nous avons une question qui nous vient de la boîte de conversation. Peut-être que Richard peut nous le présenter dans une minute, assez rapidement, mais avant de passer la parole à Richard, je voudrais donner la parole à Alexandre, qui a demandé quel pont il peut y avoir entre le boîte à outils et l'aspect social, et s'il peut nous dire ce qu'ils font avec les étudiants à cet égard. C'est un défi important, parce que lorsque vous avez un public qui vient de différents milieux, vous devez avoir une langue commune. Et le professeur Flavio l'a dit, je suis d'accord. Chacun perçoit l'Internet et les questions relatives à l'Internet à sa manière, de manière différente. Et il faut parfois mettre en place un terrain commun pour pouvoir discuter. Et si nous avons un problème, par exemple, une discussion est en cours sur les aspects sécurité, cryptage, vie privée, vous devez commencer à établir un terrain d'entente, parce que sinon chacun va commencer à intervenir en ayant un point de vue parfois technique, parfois juridique et sur ces questions, et en percevant ce thème d'un angle différent. Donc, le défi finalement, c'est d'avoir un terrain d'entente, un terrain commun. Je pense que donc, qu'on peut commencer avec un entretien. Une fois que l'entretien est fait, on peut présenter de manière synthétique la question sur son aspect technique, et ensuite traduire cela sur les conséquences dans les différents domaines. Et essayer de voir si les gens ont bien compris et ouvrir ensuite la parole en ayant créé des liens entre les personnes sur ces idées, autour de ces idées. Lors des premiers cours, nous avons eu un très bon retour et nous espérons que
nous avons le même résultat pour les thèmes que nous avons à couvrir par la suite. Merci, Alexander. J'aimerais revenir à Richard, qui a posé une question à tous les panélistes. Vous pouvez peut-être poser la question vous-même en prenant le micro. Merci d'être concis pour qu'on puisse aussi donner l'opportunité à d'autres questions. Merci beaucoup. Et j'ai envoyé plusieurs commentaires dans la boîte et je voudrais me concentrer sur l'un. En disant, il faut pas faire attention à ne pas faire des catégories. Justin, on ne peut pas vraiment critiquer l'interdiction de TikTok sur la base des propriétés essentielles. Parce que si l'application a été utilisée pour diffuser des contenus relatifs à la pédophilie, nous aurions dit que c'était une bonne chose. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser ces propriétés essentielles à chaque fois. Lorsqu'il y a une politique, effectivement, cherchons à avoir des répercussions en matière d'infrastructure. Et s'il y a, par exemple, une volonté justement d'entraver ou de compromettre ces propriétés essentielles, mais il faut ne pas faire trop vite à critiquer, justement, sur la base de ces propriétés. Merci beaucoup. Merci pour ce commentaire. Il y avait une question. Comment mettre en place une... Y a-t-il une question? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, d'une certaine manière. Ce n'est pas une interdiction de TikTok simplement. Si on met de côté les controverses et les polémiques autour de TikTok, si on se penche par exemple sur WeChat, parce qu'on ne peut pas accuser de viser à diffuser des contenus d'abus infantiles, qui est simplement une voie de communication. Mettre en place une interdiction de cette ampleur qui a des fonctionnalités diverses et variées sur la base de contenu douteux qui circulerait peut avoir des impacts beaucoup plus larges qu'une interdiction qui vise une application tout spécialement. La répercussion peut être plus large. Effectivement, sur l'Internet, effectivement, il y a des questions auxquelles nous devons apporter une réponse, mais la manière dont vous traitez ces problèmes peuvent avoir plus ou moins d'implications sur le réseau lui-même. Et de ce point de vue, sur ce cas même, comment nous gérons sur un réseau, ce que ça peut avoir comme impact sur les autres réseaux. Donc, ce sont des répercussions plus larges, plus systémiques qu'il faut rechercher. Je sais qu'il y a encore des questions dans le chat qui sont aussi intéressantes. L'une de ces questions qui est dirigée d'ailleurs pour tous les panélistes, c'est de la part de Jao Nevis Soussou. Comment cet outil peut renforcer l'inclusion? Est-ce qu'il y a des liens possibles qui peuvent se mettre en place entre individus, mais aussi sur Internet en tant que tel, grâce à cet outil? Si je puis me permettre, je dirais que ce n'est pas une conséquence directe, mais il me semble que c'est important pour l'inclusion d'avoir
l'Internet ouvert. C'est une fonctionnalité de base. Plus il y a de réseaux qui peuvent se connecter rapidement à l'Internet, si nous n'avons pas de permission à demander au niveau centralisé, si nous pouvons mettre en place des services rapidement, c'est central pour l'inclusion. Un Internet ouvert qui offre de l'information, que ce soit selon les cultures, selon les sociétés, l'ouverture de l'Internet est une propriété essentielle à l'égard de l'inclusion des personnes, mais aussi des communautés. C'est l'inclusion directement découlée de cette propriété essentielle. Donc, il y a un autre ensemble de questions sur les aspects de cybersécurité, mais j'aimerais que les panélistes aussi s'y penchent. Comment répondre à ces questions de cybersécurité? On a parlé, par exemple, des lacunes dans la boîte à outils sur les aspects sociaux, les aspects techniques. Est-ce que les panélistes voient des opportunités dans la boîte à outils d'aujourd'hui qui nous permettraient de réfléchir sur la cybersécurité? Et étant donné qu'il y a des lacunes en matière de cybersécurité, est-ce que cela peut nous permettre d'avancer sur la manière d'y répondre? Est-ce qu'il y a un panéliste qui peut réagir sur cette question? C'est simplement pour vous donner cette opportunité. Si je puis me permettre encore une fois, je ne vois pas de connexion directe entre la sécurité et ces cinq principes essentiels de base. Peut-être qu'on peut élaborer des cas d'utilisation pour commencer à construire une relation entre ces cinq propriétés essentielles et d'autres fonctionnalités que nous voudrions voir le jour sur l'Internet, telles que la sécurité, la crédibilité. Vous le savez, les pères de l'Internet n'ont pas intégré la sécurité comme une fonctionnalité essentielle de l'Internet lorsqu'ils l'ont mise en place il y a des décennies, il y a 45 années. Donc, ce n'est pas au niveau de l'infrastructure que cela a été réfléchi. C'est plutôt au niveau application, au niveau service, que ces questions ont commencé à se poser. Et c'est sans doute quelque chose d'intéressant à aborder. Si on peut, entre ces propriétés essentielles et les fonctionnalités qui nous semblent désirables sur des aspects sociaux, comment on peut construire ces ponts, ces enjambées pour établir des liens entre ces propriétés essentielles et les fonctionnalités que les utilisateurs appellent de leur vœu sur Internet. Oui, c'est une bonne suggestion. On peut effectivement réfléchir sur comment cartographier la sécurité et la cybersécurité comme fonctionnalité à venir. Donc, nous avons un peu dépassé le temps qui nous est imparti. Nous sommes heureux que vous soyez restés avec nous. Ashlyn, si vous avez une dernière diapositive à nous présenter, donc c'est la manière de s'impliquer. Comment s'impliquer? Ce que nous faisons en 2021, c'est de continuer à avancer sur ce travail, de le présenter aux communautés, c'est-à-dire en comblant les lacunes comme aujourd'hui, que cela a été dit, comment mettre en place des liens entre les propriétés essentielles, comment construire des ponts vers des fonctionnalités désirables telles que la cybersécurité, comment aussi mettre en place des cas d'études et des thèmes et des cas qui peuvent être pertinents dans votre communauté locale. Nous avons parlé, par exemple, des questions juridiques et du contentieux. Donc,
Un outil qui serait enrichi par les cas d'études, par les cas d'utilisation que nous devons appréhender. Nous espérons aussi mettre en place des opportunités de formation. Alexandro commence à aborder les aspects éducatifs, comment on peut tirer parti de telles initiatives, comment on peut créer des communautés apprenantes. Donc, nous vous encourageons à vous impliquer. Pour l'instant, nous enregistrons les candidatures. Vous pouvez rejoindre ce voyage en 2021 si vous êtes intéressé pour devenir un interlocuteur de ce travail. Envoyez-nous un email à moi-même ou à Kitty et nous allons nous mettre en relation avec vous en 2021 pour ce travail. Merci beaucoup de vous être rejoint à nous aujourd'hui. Merci pour les exposants. Merci pour le travail qui a été présenté. Nous l'avons grandement apprécié et merci pour votre présence. Evelyne, si vous avez le mot de la fin. Merci. Merci à vous tous qui êtes restés de nous avoir donné plus de temps que prévu. Nous avons noté aussi les questions qui restent à trouver réponse. Et nous vous enverrons par écrit. Nous vous enverrons aussi un enregistrement qui vous sera renvoyé dans vos emails. Merci pour cette interaction. Nous vous souhaitons le meilleur pour le reste de la journée. Et bonne journée.